Yo tout le monde, c'est Rodolphe ScooterRip. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être le tuto du table. Donc tout d'abord, c'est quoi un table? Ben en gros, un table, c'est ça. Donc pour réaliser un table, il va falloir déjà savoir faire un bunny up. Ensuite, il vous faut une table, un saut, peu importe ce que c'est. Donc que ce soit un saut en dehors ou quoi. Donc pour réaliser le table, en gros, il faut sauter. Mon vélo comme ça pour vous expliquer, mais il faut imaginer que vous êtes à plat. Donc vous sautez, vous allez faire une rotation du poignet, vous allez tourner votre poignet comme ça, vous allez pousser sur vos bras et essayer de passer le guidon de l'autre côté. Voilà. Le plus important dans le table, c'est vraiment la rotation du poignet. C'est ce qui va vraiment faire que votre vélo va se pencher. Si vous faites ça, votre vélo va être maximum comme ça. Alors que si vous tournez votre poignet et vous poussez, vous pourrez incliner votre vélo autant que vous voulez. Pour les pieds aussi, il faut plier les jambes et essayer de les tourner sur le côté. Voilà, il faut essayer de rendre vos jambes les plus molles possibles. C'est vos bras qui vont faire que votre vélo va se pencher et aussi vos jambes. Parce qu'en fait, vos jambes, il faut vraiment les laisser le plus souples possible. Donc ça, c'était pour le table le plus connu. Le table, entre guillemets, de BMX. Vous avez aussi le table que beaucoup de personnes en freeride et DH font. Le table, au lieu de faire comme ça, ils font un table comme ça. Donc pour ça, en fait, vous allez tourner votre guidon et pousser dessus. Ce qui va faire que votre vélo va se pencher et vous aussi. Voilà. Donc si ce tuto vous a aidé, pensez à me le mettre dans les commentaires. Lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao !